Dans cette vidéo, on va voir comment tester l'idée qu'on sait mesurer des grandeurs psychologiques avec des tests ou des questionnaires en examinant deux exemples. Premièrement, le mesurage de la capacité à calculer mentalement à l'aide d'items de calcul mental qu'on trouve sur Internet sur le site monqi.com. Et deuxièmement, le mesurage de l'estime de soi à l'aide de ce qu'on appelle l'échelle d'estime de soi de Rosenberg, du nom du psychologue qui a proposé ce procédé. Puis, on va tester l'hypothèse en m'utilisant en tant que répondant de l'anglais respondent ou encore comme sujet expérimental. Alors, pour situer le problème, revenons à la quadruple distinction introduite dans la vidéo numéro 1. Premièrement, quelles sont les grandeurs considérées? En s'appuyant sur le langage courant qui nous fait dire par exemple qu'on est plus ou moins fort en calcul mental, qu'on a une plus ou moins grande estime de soi, on part de la prémisse que la capacité de calcul mental et l'estime de soi sont des grandeurs. Sinon, il n'y a rien à mesurer. Deuxièmement, de quoi les quantités de capacité de calcul mental ou d'estime de soi sont-elles les propriétés? Ces propriétés quantitatives caractérisent la psychologie de personne. Troisièmement, quels sont les principes de mesurage qui permettent d'obtenir une mesure de ces quantités psychologiques? Si on sait mesurer ces quantités en faisant des observations, c'est qu'il existe un principe causal qui permet d'utiliser ces observations pour déduire ce qui se passe au niveau des quantités de la grandeur. On a vu dans la vidéo numéro 2 que ce principe est représenté mathématiquement par une fonction croissante, définie dans l'ensemble des quantités possibles et à valeur dans un ensemble d'observations possibles. Quatrièmement, quelles sont ces observations possibles? On va scinder cette dernière question en deux questions, en considérant d'abord ce qui se passe au niveau d'un item de test quelconque, puis ce qui se passe au niveau de plusieurs items à la fois ou du test entier. On va d'abord faire une remarque terminologique. On va faire la différence entre un item de test et un test. Qu'est-ce qu'un item de test? Un item de test est une tâche et un format de description de la réponse à cette tâche. Qu'est-ce qu'un test psychologique ou un test psychotechnique? C'est une collection d'items de test. Alors, appliquons ces définitions au test de calcul mental numéro 1. Pour aller sur le test, accéder au test psychotechnique, test mathématique, calcul mental, commencer le test. Le test comporte 10 items. Pour chaque item, comme par exemple le premier, la tâche consiste à déterminer la bonne réponse parmi 4 choix possibles ou à déclarer je ne sais pas. Évidemment, puisqu'il s'agit de calcul mental, on ne doit pas utiliser le papier-crayon ni la calculatrice. Et la réponse est décrite de manière binaire, 1 pour réponse correcte, 0 pour réponse incorrecte. Considérons maintenant l'échelle d'estime de soi. Cette échelle comporte aussi 10 items. Pour chaque item, la tâche consiste à produire un jugement d'accord-désaccord, étant donné une phrase portrait-robot, en choisissant parmi 4 choix possibles une réponse sur ce qu'on appelle une échelle de Likert. Par exemple, après avoir lu la phrase « Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n'importe qui d'autre », on peut entourer le nombre 3 qui correspond au choix plutôt d'accord. La description de la réponse correspond au nombre choisi. On va voir maintenant que la fonction de mesurage associée à un item de test est une fonction par palier. On ne sait pas encore répondre à la question, étant donné un certain test psychologique, quelles sont les observations possibles, mais on sait répondre à la question, étant donné un certain item d'un certain test psychologique, quelles sont les observations possibles? Autrement dit, on sait définir l'ensemble d'arrivées, qu'on note avec un grand A, de la fonction de mesurage associée à chaque item. Alors, dans le cas d'un item numéro I de calcul mental, donc je vais noter, on a AI qui est égal à 0,1 et on va représenter ça tout de suite de manière graphique en notant que la réponse
à l'item i, c'est 1 ou 0. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure je mets 1 au-dessus de 0. En ce qui concerne maintenant les items d'estime de soi, prenons par exemple le premier item d'estime de soi. Je pense que je suis une personne de valeur au moins égale à n'importe qui d'autre. L'ensemble d'arrivées, qu'on va noter A1, est égal à 1, 2, 3, 4. Et on peut le représenter graphiquement en ordonnant les réponses comme ceci. 4, 3, 2, 1. J'expliquerai tout à l'heure aussi pourquoi je choisis cet ordre. Prenons un item d'estime de soi dit négatif, comme par exemple le numéro 3. Tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté. Donc l'ensemble d'arrivées qu'on va noter A3, c'est aussi 1, 2, 3, 4. Et d'un point de vue graphique, on va représenter, on va ordonner les réponses possibles de la façon suivante. 1, 2, 3, 4. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Arrêtons-nous un instant sur une remarque importante pour distinguer la notion de valeur approchée et de valeur exacte. Dans tous les cas qu'on vient d'envisager, l'ensemble des réponses possibles est un ensemble discret. Entre 0 et 1, par exemple, il n'y a pas de réponse possible. De même, dans le cas des réponses à un item d'estime de soi, 2,2, par exemple, n'est pas une réponse observable. Autrement dit, les valeurs observables sont des valeurs exactes, par opposition aux valeurs approximatives que nous avons considérées précédemment pour le mesurage de la longueur, de la masse, de la température et de la douleur. Dans le cas de nos deux tests, il n'y a pas besoin d'approcher la valeur observée par un encadrement, on la connaît exactement. Alors venons-en à présent à la question suivante. Selon quel principe de mesurage la réponse observée pourrait-elle mesurer la grandeur psychologique qui nous intéresse? Dans le cas de la capacité de calcul mental, on conceptualise cette capacité comme une grandeur qui varie de 0 quantité de capacité de calcul mental à une quantité maximale de capacité de calcul mental. Dans le cas de l'estime de soi, l'estime de soi est conceptualisée comme une grandeur qui varie de 0 quantité d'estime de soi à une quantité maximale d'estime de soi. Donc, là encore, 0 quantité d'estime de soi jusqu'à une quantité maximale d'estime de soi. Donc, ici, c'est l'estime de soi. Et ici, c'est la capacité de calcul mental. Alors la question est de ça, est de concevoir comment la réponse qu'on observe peut dépendre de la quantité de grandeur qu'on veut mesurer. Alors on va reprendre l'idée de fonction croissante qu'on a vue dans la vidéo numéro 2. Plus la quantité augmente, plus la réponse augmente. Et donc, la distinction entre une fonction croissante au sens strict et une fonction croissante au sens large, qu'on a vu donc dans cette vidéo numéro 2 qui s'intitulait Fonction de mesurage et test du principe de mesurage,
va nous être utile. Alors, on a vu que pour pouvoir déduire d'une augmentation de la réponse, donc une augmentation de la réponse, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit en supposant que la réponse est le résultat d'un mesurage via une fonction f. La réponse qui augmente, ça s'écrit f de q plus petit que f de q'. Ça veut dire qu'il y a une quantité q qui a augmenté pour devenir une quantité q', et que donc on est en train de raisonner sur le résultat du mesurage qui est qu'on observe f de q qui est plus petit que f de q'. Donc on veut pouvoir déduire de cette observation que q est plus petit que q'. Alors, ça veut dire par la contraposée que, donc, hein, je rappelle, on a une implication A implique B qui est équivalente à non B implique non A. Donc la négation de la conclusion, c'est que Q est supérieur ou égal à Q', qui implique que F de Q' est supérieur ou égal à F de Q. La négation de la prémisse. Alors, comme f est une fonction, on exclut le cas où q est égal à q' et f de q' est plus grand que f de q parce que, rappelons-nous, une fonction, c'est une relation telle que, telle que tout élément de l'ensemble de départ a une image et une seule. Donc si q est égal à q', f de q' est égal à f de q. Donc on peut enlever. Donc ça veut dire que on arrive à la situation où q est strictement supérieur à q' implique. Donc tout ça, ça implique hein, que q supérieur à q' implique f de q' supérieur ou égal à f de q, ce qui est la définition d'une fonction croissante au sens large. Donc, on a besoin d'une fonction croissante au sens large. Et maintenant, la question qui se pose, c'est quel type de fonction peut-on imaginer pour que, quand la quantité de capacité de calcul mental augmente, la réponse à l'item numéro i de calcul mental augmente, c'est-à-dire passe de 0 à 1. Donc on a un problème sémantique qui consiste à savoir ce que signifie qu'une réponse augmente, sachant que les réponses possibles sont 0 ou 1. Les variations empiriques possibles sont le passage de 0 à 1 ou le passage de 1 à 0. Donc il faut choisir. Il y a une augmentation lorsqu'on passe de 0, réponse incorrecte, à 1, réponse correcte, parce qu'on veut que la réponse 1 mesure une plus grande quantité de capacité de calcul mental que la quantité mesurée par la réponse 0. Donc d'où cette façon d'ordonner les réponses sur l'axe, des ordonnées en mettant 0 dans une position qui est plus basse que 1. Alors, on voit bien que on ne va pas pouvoir attribuer une image spécifique à l'infinité de quantités de capacités de calcul mental qui existent entre 0 et la quantité maximale. Puisque ici, on a une infinité de quantités possibles et ici, on n'a que deux images possibles. De plus, on exclut que quand Q augmente, quand cette quantité de capacité augmente, Fi, c'est-à-dire Fi, ça va être la fonction, hein, la fonction associée à l'item i,
Donc on exclut que quand Q augmente, F I de Q diminue, puisqu'on veut une fonction croissante. D'où une fonction par palier. Donc fonction par palier, ce terme est très important, je vais l'écrire. Une fonction par palier, ou encore, on dit bon, encore une fonction à seuil. Selon laquelle, en deçà d'un certain seuil qu'on va noter S, petit s, i, FI de Q sera égal à 0. Donc ça veut dire que quand on part de 0 jusqu'à SI, l'image de la fonction FI, c'est 0. Donc voilà le tracé de la courbe représentative de la fonction FI lorsque on considère que Q varie dans 0 SI. Et lorsqu'on aura franchi le seuil SI, eh ben, l'image de cette fonction FI sera 1. Donc, un nouveau palier qui s'arrête à max. Donc, quand la quantité est nulle, eh bien, l'image de FI, c'est 0. Quand la quantité est maximale, l'image de cette quantité par FI, c'est 1. Et maintenant, il faut qu'on choisisse quelle est la valeur qu'on attribue à Q quand Q est égal à SI. Donc, il faut une convention. Je propose qu'on considère que quand Q est égal à SI, l'image de SI soit égale à, donc de Q soit égale à 1. Donc on va inclure ici 1 et ici on va exclure 1. Donc voilà une fonction à deux paliers. Le nombre de paliers de la fonction et le nombre de réponses possibles, c'est-à-dire 2, et le nombre de seuils de cette fonction, c'est le nombre de paliers moins 1, ou le nombre de réponses possibles moins 1. Alors bien entendu, on ne connaît pas ce seuil, SI, mais on en suppose l'existence, tout comme on suppose l'existence de la grandeur, capacité de calcul mental. Alors, regardons ce qui se passe. On observe que le tracé de la fonction est un tracé discontinu. C'est bien normal puisque l'ensemble des réponses possibles à l'item est un ensemble, on l'a vu tout à l'heure, discret. Alors, on va vérifier que quand on observe une différence de réponse, comme FI de Q, par exemple, est plus grand que FI de Q'. Donc en l'occurrence, ça veut dire qu'on a 1 et ensuite on a 0. Eh bien, on a Q qui est donc plus grand que Q'. Quand on est à 1, on voit bien que l'antécédent de cette image 1 tombe sur le segment SI inclus, max inclus. Alors que quand on observe 0, l'antécédent par la fonction de mesurage tombe, appartient au segment 0 inclus, SI exclu. Donc on a bien que la quantité Q qui correspondait à 1, qui se trouve dans SI max est plus grande que la quantité Q' qui correspondait à 0, laquelle quantité se trouve dans le segment 0 SI exclu. Alors, il faut aussi remarquer
C'est très important pour la suite de notre réflexion, qui sera développée dans la quatrième vidéo, à propos des scores psychotechniques, que la réponse 0 ne désigne pas une quantité unique, mais un segment de quantité, le segment 0 SI. De la même, alors je l'écris, 0, ça correspond au segment 0 SI. De la même manière, la réponse 1 ne désigne pas une quantité unique, mais le segment SI max. Autrement dit, l'addition n'est pas définie sur l'ensemble AI est égal à 0,1. Par exemple, si on écrit 0 plus 0, en fait, on est en train d'écrire qu'on additionne le segment 0 SI à lui-même, ce qui n'a pas de sens. Parce qu'on écrirait donc, ça voudrait dire 0 plus 0, d'un point de vue arithmétique, ça veut dire 0, c'est égal à 0, et on serait donc en train d'écrire que 0 SI plus 0 SI est égal à 0 SI. Une telle proposition n'a pas de sens. De la même manière, si on écrit 0 plus 1 est égal à 1, ce qui est correct du point de vue arithmétique, du point de vue psychologique, on est en train d'écrire 0 SI exclut plus SI max inclus est égal à SI max inclus, ce qui n'a pas de sens. Et enfin, si on écrit 1 plus 1 est égal à 2, ce qui encore une fois est correct d'un point de vue arithmétique, on est en train d'écrire que SI max plus SI max est égal à 2, ce qui n'a pas de sens non plus. Donc il faut bien voir que quand ces valeurs numériques désignent des segments, elles ne sont pas additives, tout simplement parce que les segments ne sont pas des objets additifs. Les opérations mathématiques qui sont définies sur les segments sont l'intersection. On peut faire l'intersection de deux segments. Et la réunion, on peut aussi réunir deux segments. Alors, dans le cas de la mesure de l'estime de soi par la réponse à l'item 1, maintenant. La même question se pose. Comment la réponse peut-elle dépendre? Donc la réponse pas du tout d'accord, pas d'accord, d'accord, tout à fait d'accord. Comment cette réponse peut-elle dépendre de la quantité d'estime de soi, de la personne qui répond? Ici encore, c'est une fonction par palier qui s'impose, avec cette différence cette fois que il faut considérer quatre. Qu'est-ce que je dis? Non. Oui, il faut considérer quatre paliers puisqu'on a quatre réponses possibles, séparées par trois seuils. Donc, on va les noter comme ça. Alors, tout à l'heure, on n'avait qu'un seuil. Donc, j'ai utilisé la lettre S pour dire seuil. Maintenant qu'on a trois seuils, on va donc utiliser la notation petit a 1, petit b 1 et petit c 1, où 1 indique qu'il s'agit de l'item numéro 1 de l'échelle d'estime de soi, et A, B, C indique le numéro des seuils. Donc, de la même manière, hein, on ignore la position exacte de ces seuils sur le segment 0 max, on suppose seulement que ces trois seuils existent et qu'ils sont ordonnés. Et donc, on envisage le premier palier
qui est que si la quantité d'estime de soi est comprise entre 0 et A1, exclue. Alors, 0 inclus, A1 exclu. Eh bien, la réponse est 1. Deuxième palier. Eh bien, si la quantité d'estime de soi est comprise entre A1 inclus et B1 exclu, la réponse sera 2. Troisième palier. Si la quantité d'estime de soi est comprise entre B1 inclus et C1 exclu, ben la réponse sera 3. Et enfin, si la quantité varie de C1 inclus à max inclus, ben la réponse est 4. Alors, de la même manière que je disais tout à l'heure qu'on ignore la position exacte des seuils, du coup, rien ne nous permet de penser que ces seuils sont équidistants. Donc, faut pas imaginer que on a à supposer que la distance entre 0 et A1 est égale à la distance entre A1 et B1, etc. Alors maintenant, dans le cas de la mesure de l'estime de soi par l'item numéro 3, on va considérer, donc qui je le rappelle est un item négatif. Alors, on va considérer la fonction F3 on va l'écrire qui est définie donc de 0 max dans l'ensemble 1, 2, 3, 4 où 1, 2, 3, 4 code les réponses pas du tout d'accord ou tout à fait en désaccord, d'accord, tout à fait d'accord. Donc, on a besoin à nouveau de trois seuils. Donc, pour bien marquer qu'on ignore la position de ces seuils, je vais par exemple considérer que A3 se trouve ici, que B 3 se trouve ici et que C3 se trouve ici. Et donc, à nouveau, on a 4 paliers. Qui sont ordonnés, enfin les oui qui sont croissants. On a à nouveau donc le nombre de paliers, ben, c'est le nombre de réponses possibles. On a trois seuils, c'est-à-dire le nombre de réponses possibles moins 1. Alors, faut que je m'explique maintenant sur la façon d'ordonner les réponses. Comme l'item numéro 3 est un item négatif. On voit bien que quand quelqu'un exprime l'accord le plus grand possible avec la proposition, c'est que on a fabriqué l'item de sorte qu'il soit que la réponse soit interprétée comme indiquant une quantité d'estime de soi plus basse que quand la personne exprime un désaccord. Donc, l'ordre des réponses est inversé. Donc, pour éviter des complications éventuelles qui sont liées au fait qu'on a des ordres différents et qu'on travaille sur l'idée de fonction croissante, on peut utiliser un codage qui consiste à renommer ce 1 en 4 étoiles, ce 2 en 3 étoiles, ce 3 en 2 étoiles et ce 4 en 1 étoile.
où 1, 2, 3, 4, maintenant, ne signifie plus un degré d'accord, mais un degré d'estime de soi, mesuré par un item négatif. Alors, une remarque importante, l'existence des fonctions de mesurage qu'on vient d'imaginer n'est pas testable lorsqu'on les considère une par une. Pour une raison très simple, c'est que une telle hypothèse d'existence de cette fonction n'a pas de falsificateur, c'est-à-dire qu'elle n'exclut aucune observation logiquement possible. Donc on a maintenant à notre disposition presque toutes les notions nécessaires pour poser précisément le problème du test, de l'idée que les réponses aux items d'un test mesurent la grandeur que le test est censé mesurer, mais il nous manque encore une notion technique très utile, à savoir la notion de MUP ou encore de vecteur de réponse. Donc un MUP, ça s'écrit comme ça, M-UP ou vecteur de réponse. Donc cette notion de MUP ou de vecteur de réponse permet de poser le problème au niveau du test et non pas seulement au niveau d'un item de test. Alors qu'est-ce que c'est qu'un MUP? Si on considère la réponse au test de calcul mental, on veut connaître la réponse au premier item, par exemple 1, la réponse au deuxième item, par exemple 0, au troisième item, par exemple 1, au quatrième item, par exemple 1, etc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'au dixième item. Donc, la réponse au test, eh ben, c'est une liste à 10 places. Donc, la place numéro 1, la place numéro 2, la place numéro 3, la place numéro 4, etc. jusqu'à la place numéro 10. Et ces places sont ordonnées. C'est-à-dire que par exemple, le 1 de la quatrième place indique que l'item numéro 4 a été réussi. Le 0 de la deuxième place indique que l'item numéro 2, et non pas l'item numéro, par exemple, 7, a été échoué. Alors, au niveau des notations, un vecteur, ça se note. Comme c'est une liste ordonnée avec une parenthèse pour débuter des virgules ou des points-virgules pour séparer les places et une parenthèse pour fermer, on peut aussi par commodité, quand il n'y a pas d'ambiguïté, simplement concaténer les informations. C'est-à-dire que ça, c'est égal à 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a ces deux notations possibles. Alors, une remarque terminologique. Le terme huplé, tout court, est linguistiquement incorrect. C'est un suffixe qui appelle un préfixe, par exemple le préfixe m, qui désigne un nombre naturel supérieur à 1. Alors, on peut aussi utiliser du coup les expressions, par exemple, un disupplé, mais si on utilise le terme upplé tout seul, hein, ça ne veut rien dire. Un unupplé, c'est possible, désigne une liste de seulement un élément, et une liste de seulement un élément n'est pas un vecteur. Par exemple,
Quand on mesure la douleur avec une échelle analogique de douleur, une échelle visuelle analogique de douleur, on a un 1 uplé et ça n'est pas un vecteur. Alors, une difficulté conceptuelle qui peut brouiller l'esprit quand on n'est pas habitué à manipuler des M uplés est que quand on considère un vecteur de réponse, on considère une réponse dans un espace ou encore un ensemble de réponses possibles qui a la structure d'un produit cartésien d'ensemble. Alors voyons ça de plus près. Si on considère seulement les deux premiers items du test de calcul mental, on a les réponses possibles au premier item qui sont dans l'ensemble A1 égale 0,1 et les réponses possibles au deuxième item, qui sont dans A2 égale 0,1 également. Donc, le produit cartésien de A1 et A2 qu'on va noter, A1 croît A2, et ben c'est l'ensemble de tous les deux uplets possibles formés en prenant un élément de A1 et un élément de A2. Donc, pour définir cet ensemble, ben, on fait comme ça. On considère que d'abord, pour le premier item, on a le choix entre 0 et 1. Et pour le deuxième item, on a encore le choix entre 0 et 1. D'où le 2 uplé 0, 0, le 2 uplé 0, 1, le 2 uplé 1, 0. Et enfin, le 2 uplé 1, 1. Donc, le produit cartésien de deux ensembles, c'est un ensemble de 2 uplés. De la même manière, maintenant, si on considère l'item numéro 3 du test de calcul mental, qui donc, a des réponses dans l'ensemble 0, 1. Et donc, si on considère ce test à 3 items, eh bien, la réponse à ce test sera un 3 uplé. Et ces 3 uplés seront définis dans le produit cartésien A1 croît A2 croît A3. Donc, il suffira pour définir cet ensemble de façon exhaustive de rajouter à notre arbre un 0,1 ici pour le troisième item et on aura donc les triplés 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. jusqu'à 1, 1, 1. Une petite remarque aussi par rapport au dénombrement des éléments d'un produit cartésien. Quand on a le produit cartésien A1 croît A2. Vu qu'on a deux réponses possibles pour A1 et deux réponses possibles pour A2, on a 2 fois 2 égale 4, 2 uplets possibles. Quand on considère A1 croît A2 croît A3, on a 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 fois 2, 4 fois 2, 8, 8. 3 uplés ou triplés possibles. D'une manière générale, si on considère M items de calcul mental, eh bien, on a 2 exposants M uplés possibles. Alors, pour ce qui concerne le test d'estime de soi, même raisonnement. La réponse à un test d'estime de soi, c'est un 10 uplé puisque le test comporte 10 items et ces 10 uplets sont définis dans un ensemble de 4 exposant 10, 10 uplets possibles. Alors pourquoi 4 exposant 10? Parce que chaque item comporte 4 réponses possibles, donc si on considère un item, on a 4 réponses possibles. Si on considère deux items, on a 4 fois 4, c'est-à-dire 4 exposant 2
réponses possibles. 3 items, ça fait 4 fois 4 fois 4. 4 exposant 3, 3 uplays possibles. Et quand on considère les 10 items du test, eh bien, on a 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 4 exposant 10, 10 uplays possibles. Donc, ainsi, si on ne veut pas perdre de vue les phénomènes qu'on appréhende via l'observation psychotechnique, il faut s'habituer à envisager conjointement la variabilité de la réponse à un item I dans AI et à un item J dans AJ, où I et J sont des numéros d'items. Notre problème méthodologique consiste à savoir comment tester qu'une réponse multivariée, un MUP de réponse, soit une mesure multivariée. Alors, multi, ça veut dire plusieurs, et varié, ça veut dire variation. Arrêtons-nous sur deux interprétations erronées de l'expression mesure multivariée avant d'aller plus loin. Alors, l'idée principale qu'il faut avoir en tête quand on parle d'un test psychotechnique est que si ce test permet de faire une mesure, cette mesure est multivariée parce que la réponse au test est multivariée. Alors, une première façon erronée de comprendre l'expression mesure multivariée serait de considérer qu'il y a plusieurs quantités d'une même grandeur qui sont mesurées par les réponses au M item du test. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs quantités d'une même grandeur d'une même grandeur qui sont mesurées par les réponses au M item du test. Donc ça, c'est pas bon, ça voudrait dire que un item numéro 1 indique mesurerait une quantité Q1, qu'un item numéro 2 mesurerait une quantité Q2, etc. Qu'un item numéro I mesurerait une quantité QI et que le dernier item numéro M mesurerait une quantité QM avec la possibilité donc que Q1 différent de Q2, différent de QI, différent de QN. Donc cette situation est possible. Ce n'est pas ce qui est désigné quand on parle de mesures multivariées. On ne fait pas passer un test pour connaître comment la quantité qu'on veut mesurer varie pendant le test, et on ne pourrait pas le faire. On veut une mesure de la quantité qui détermine toutes les réponses au test. Alors, une deuxième façon erronée de comprendre le terme de multivarié dans l'expression mesure multivariée consisterait à ne considérer qu'un seul item, numéro 1, et plusieurs grandeurs. Donc, un item mesurerait plusieurs grandeurs. Donc, je vais prendre le temps de l'écrire pour l'éliminer. La réponse à un item mesurerait plusieurs grandeurs. Par exemple, la réponse à l'item 1 du test d'estime de soi dépendrait
non seulement de la quantité d'estime de soi, mais aussi de la quantité de motivation à indiquer une réponse socialement acceptable. Donc on aurait les deux grandeurs, estime de soi, donc une grandeur estime de soi. Et une grandeur que j'ai appelée motivation à fournir une réponse socialement acceptable, donc qu'on peut appeler désirabilité sociale. Donc on aurait deux quantités qui déterminerait conjointement la réponse à cet item. Donc ça, c'est pas possible non plus. Parce que si... Enfin, c'est possible en théorie, mais si c'est le cas, on serait amené à concevoir que la réponse à l'item dépend d'un point qui se trouve dans le produit cartésien. 0 max de l'estime de soi à 0 max de la désirabilité sociale. Donc on aurait une fonction qui serait définie sur dans ce plan et qui prendrait pour valeur les réponses possibles à l'item. Donc par exemple 1, 2, 3, 4. Pas du tout d'accord, pas d'accord, d'accord, tout à fait d'accord. Donc tout le problème, si ça marche comme ça consiste à savoir comment, quand on passe d'un point à un autre dans le plan, on détermine la réponse à l'item. On voit bien que, quelle que soit la solution, on ne saurait pas déduire d'une variation de la réponse à l'item la variation conjointe des deux quantités, d'estime de soi et de motivation. Une mesure, c'est une observation dont la variation ne dépend que de la variation des quantités d'une seule grandeur. Si on admet que n grandeurs déterminent la réponse et qu'on veut mesurer une certaine grandeur grâce à cette réponse, il faut bloquer la variabilité des n-1 autres grandeurs pour pouvoir déduire de la variation observée une variation quantitative de la grandeur qui nous intéresse. C'est ainsi que quand on parle par exemple de la température de l'eau d'une bouilloire en y plongeant un thermomètre, on admet que la pression qu'exerce le gaz dans le tube qui contient le liquide thermométrique est constante, autrement dit, on exclut que le liquide puisse monter parce que la pression du gaz dans le tube de verre diminuerait. Dans l'expression mesure multivariée, l'adjectif multivarié signifie qu'on ne mesure qu'une seule quantité d'une seule grandeur au moyen de plusieurs observations successives. C'est comme si, pour reprendre l'exemple du mesurage de la longueur d'un spaghetti utilisé dans la vidéo numéro 1 qui s'intitule Réflexion préliminaire sur la mesurabilité de quantité de grandeur physique ou psychologique. On mesurait la longueur de ce morceau de spaghetti non pas avec une seule règle ou mètre ruban, auquel cas on a une mesure univariée, mais avec ce mètre ruban et cette règle. D'où le terme de MUP pour désigner la structure multiple ou encore multivariée des observations qu'on interprète comme des mesures multivariées. On va d'ailleurs faire la mesure bivariée. De la longueur d'un morceau de spaghetti à titre illustratif. On va mesurer la longueur de ce morceau de spaghetti avec le mètre ruban. Donc ça fait 24,5. Et maintenant, on va le mesurer avec cette règle à échelle. Et donc on voit que c'est
4,50, 60, 70, 80, 4,90. Alors développons maintenant les conséquences falsifiables de l'idée qu'une réponse multivariée est une mesure multivariée. Partons de deux items de calcul mental. Alors, on va refaire nos graphiques pour bien montrer ce qui se passe. Un premier graphique pour l'item numéro I. On va mettre l'item 1 par exemple, qui mesure donc une quantité de capacité de calcul mental définie dans 0 max. Et un deuxième item, on va prendre par exemple l'item numéro 2, dont la réponse mesure la même quantité de capacité de calcul mental qui varie de 0 à max. Capacité de calcul mental. Alors, imaginons une première mesure bivariée de la quantité petit q. Par exemple, le 2uplet 0, 0. Alors, cette réponse signifie que ici on a le seuil numéro 1, enfin le seuil de l'item numéro 1, et ici on a le seuil quelque part de, je vais le mettre par là. Donc cette réponse 0, 0 signifie que la quantité Q qui a donné la réponse 0 pour l'item 1 se trouve sur le segment 0 S1. Et que cette quantité Q, cette même quantité Q qui a donné lieu à l'observation 0 pour l'item 2 se trouve sur le segment 0 S2. Donc ça veut dire que la quantité Q est plus petite que S1. Je vais l'écrire. Et que d'autre part, la quantité Q est plus petite que S2. En effet, si Q avait été supérieur à S1, on aurait observé 1 au premier item. De la même manière, si Q avait été supérieur au seuil S2, eh bien on aurait observé 1 à l'item 2. Donc ceci étant, imaginons maintenant que lors d'un deuxième test de la personne, Q est augmenté d'une certaine quantité. Si bien que maintenant, la quantité qui détermine ses réponses est Q' supérieur à Q. Que se passe-t-il que nous puissions observer? Donc, premièrement, il se peut que l'augmentation de la quantité de capacité, on passe de Q à Q', soit telle que aucun seuil n'ait été franchi. Par exemple, on peut envisager que Q se trouve ici et que Q' se trouve ici. De la même manière, Q se trouve ici et Q' se trouve ici. Donc dans ce cas, l'observation associée à Q', la mesure de Q', c'est encore 0 pour le premier item et 0 pour le deuxième item. Deuxièmement, il se peut que l'un des deux seuils ait été franchi.
auquel cas on observe 0,1 si c'est le seuil S2 qui a été franchi et pas le seuil S1, auquel cas S2 se trouve avant S1, ou bien on peut aussi observer 1,0, 1 au premier item, 0 au deuxième item, si le seuil S1 a été franchi, auquel cas ça veut dire que le seuil S1 se trouve après le seuil S2. Et enfin, il peut arriver que les deux seuils aient été franchis, auquel cas on observe la réponse 1 au premier item, 1 au deuxième item. Donc récapitulons, si Q est plus petit que Q', et si la mesure bivariée de Q est 0,0, alors la mesure bivariée de Q' est 0,0, 0,1, 1,0 ou 1,1. Ce qu'on vient de dire, c'est que la mesure bivariée de Q est inférieure, donc 0,0, est inférieure ou égale à la mesure bivariée de Q'. C'est-à-dire que 0,0 est inférieur ou égal à 0,0, 0,1, 1,0 ou 1,1. Donc ici va être utile d'introduire deux notions abstraites pour établir un petit théorème de mesurabilité d'une grandeur par des réponses multivariées qui servira d'outil logique pour tester l'hypothèse qu'une réponse multivariée est une mesure multivariée. Pour bien fixer les idées en s'appuyant sur le bon sens, revenons à l'exemple de la longueur d'un spaghetti. Tout à l'heure, on a mesuré le spaghetti avec deux règles et on a obtenu le 2 uplé. Donc je peux effacer. On a obtenu le 2 uplé. Y1, je vais encore utiliser les couleurs qui désignent la mesure faite pour, on peut dire, le premier item, ce qui équivaut au premier item, ou en tout cas la première façon de mesurer. Donc, et Y2 qui correspond à la valeur obtenue avec la en utilisant la deuxième manière de mesurer, qui est donc égale, on a trouvé tout à l'heure, 24,5 et 4,90. Alors, coupons le spaghetti en deux morceaux et mesurons un des deux morceaux. Alors, avec le mètre ruban, on obtient 12,6. Et maintenant, avec la règle à échelle, on obtient 2,50. Donc, on obtient pour le mesurage bivarié donc de ce morceau de spaghetti, le 2 uplé Y'1, Y'2 égale 12,6, 2,50. Donc, puisque la longueur a diminué, il faut que Y'1, Y'2 soient plus petits que Y'1, Y'2. Autrement dit, il faut que 12,6, 2,50 soient plus petits que 24,5, 4,90.
Donc, on vient d'utiliser la notion de comparabilité de deux MUP. Deux MUP sont comparables s'ils sont égaux ou bien si l'un est plus petit que l'autre. Alors, on va formaliser la définition. Soit Y égale Y1, Y2, Ym, et Y' égale Y'1, Y'2, Y'm. Donc soit Y et Y'2 MUP, on dit que Y et Y' sont comparables, c'est-à-dire que Y est inférieur ou égal à Y'. Ou que Y' est inférieur ou égal à Y, si pour tout i, donc Y et Y' sont comparables, si pour tout i, compris entre 1 et M, soit YI est inférieur ou égal à Y'I, ou bien, encore pour tout I, Y'I est inférieur ou égal à YI. Donc, pour revenir à l'exemple des deux UP obtenus avec le spaghetti, on a bien que Y est supérieur ou égal à Y', il faut le mettre en bleu, en noir, car donc, on écrit. On va écrire, je vais l'écrire ici. On a que Y est supérieur ou égal à Y', car 24,5 est supérieur ou égal à 12,6 et 4,90 est supérieur ou égal à 2,50. Pour revenir à nos deux items de calcul mental, on a bien aussi que 0, 0 est inférieur ou égal à 0, 0. C'était la première solution. Quand Q varie en augmentant, on peut très bien, pour Q' obtenir la mesure 0, 0. On a aussi que 0, 0 est inférieur ou égal à 0, 1. On a aussi que 0, 0 est inférieur à 1, 0. Et enfin, que 0, 0 est inférieur ou égal à 1, 1. Car 0 est inférieur ou égal à 0, 0 est inférieur ou égal à 0,1, 0 est inférieur ou égal à 1, 0 est inférieur ou égal à 0, 0 est inférieur ou égal à 1 et 0 est inférieur ou égal à 1. Si Y et Y' ne sont pas comparables, on dit qu'ils sont incomparables et on note Y est incomparable avec Y'. Donc, Y et Y' sont incomparables s'il existe, je vais l'écrire, Y et Y' sont incomparables si il existe I et J distincts tels que YI est inférieur strictement à Y'I et YJ est strictement supérieur à Y'J. Par exemple, 0,1 et 1,0 sont incomparables. Puisque pour le premier item, on a 0 qui est strictement inférieur à 1.
Et pour le deuxième item, on a 1 qui est strictement supérieur. Oui, 1 qui est strictement supérieur à 0. Donc en langage courant, deux vecteurs sont incomparables si au moins deux de leurs composantes varient en sens contraire. On vient de voir la notion de comparabilité de deux MUplets ou de deux vecteurs. La seconde notion utile est celle de fonction de mesurage multivariée. Alors, on vient de voir ce qu'est une fonction de mesurage discrète univariée, c'est-à-dire une fonction croissante par palier. L'ensemble de départ d'une fonction de mesurage discrète univariée est l'ensemble 0 max, où max désigne la quantité maximale de quantité de la grandeur qu'on veut mesurer, et son ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des réponses possibles, qu'on a noté AI. Donc maintenant, il suffit de considérer la fonction f égale f1, f2, etc. jusqu'à fm, qui est définie de 0 max dans le produit cartésien A1, croix A2, croix, etc., croix AM, qui, à toute quantité de la grandeur, associe un et un seul MUplet dans l'ensemble des MUplets possibles. On arrive maintenant à notre petit théorème de mesurabilité multivariée. F est croissante, donc les mesures de la grandeur par F sont comparables. Alors F est croissante car pour tout i, Fi est croissante. Il suffit de coder les réponses aux items de telle sorte que quand on a Q plus petit que Q', alors f de Q, Fi de Q, soit inférieur ou égal à Fi de Q'. D'où Q inférieur à Q' implique que f de Q est inférieur ou égal à f de Q' en utilisant la définition de comparabilité. On peut maintenant formuler précisément l'hypothèse de mesurabilité ordinale d'une grandeur psychologique possédée par une personne quelconque capable de passer un certain test psychotechnique composé de même item par ses réponses à ce test. Alors, première hypothèse H1, la grandeur ou encore le segment 0 max existe chez cette personne. Deuxième hypothèse H2, pour tout i compris entre 1 et m, Fi croissante existe. Autrement dit, il existe une fonction de mesurage. Troisième hypothèse, H3. Durant l'intervalle de temps nécessaire à la passation de tous les items du test, la quantité de la grandeur est invariante. Autrement dit, F existe et est croissante. Cette hypothèse H3 est nécessaire pour considérer que les réponses aux M items, lorsque le test est administré à un certain moment de la vie de la personne, mesure la même quantité, ce qui est nécessaire pour définir f comme une fonction dont l'ensemble de départ est 0 max et non pas le produit cartésien 0 max croix 0 max croix 0 max m fois. C'est-à-dire, j'aurais écrit f est défini de 0 max dans le produit cartésien qu'on note comme ça, des ensembles AI. Avec l'hypothèse H3, on évite que l'ensemble de départ soit 0 max, croix 0 max,
3, 0 max, m fois, qui s'écrit aussi 0 max avec l'exposant m. Alors précisons la structure logique de ces hypothèses. D'abord, on a H2 implique H1, c'est-à-dire que l'existence de la fonction fi implique l'existence de son ensemble de départ, c'est-à-dire 0 max. Et par contraposé, si 0 max n'existe pas, non H1, alors fi n'existe pas, non H2. Et d'autre part, on a H2 et H3. H2 est l'hypothèse théorique et H3 est l'hypothèse auxiliaire. Alors, l'implication de H2 et H3, c'est que pour toute réponse test-retest de la forme y'y', de la personne à ce test, y est inférieur ou égal à y', ou y' est inférieur ou égal à y. Autrement dit, H2 et H3 impliquent qu'il est faux que y et y' soient incomparables. Le falsificateur de l'hypothèse est l'incomparabilité des réponses y et y', c'est-à-dire y incomparable avec y'. Je me suis auto-administré le test de calcul mental et le questionnaire d'estime de soi que nous avons vu tout à l'heure à deux reprises, séparées par une semaine d'intervalle, en me demandant à moi-même de penser à voix haute. Alors, par hypothèse, lors du premier test de calcul mental, je possédais une quantité Q de calcul mental, de capacité de calcul mental, et une quantité Q d'estime de soi. Voyons les résultats. Donc, alors, accéder au test psychotechnique, test mathématique, calcul mental. Donc, rappel de base, multiplier et diviser par 10, 100, 1000 consiste à déplacer la virgule vers la droite d'autant de fois qu'il y a de 0. Oui, d'accord. Donc, commencer le test. Bon, alors, 0,056 fois 1000. Je déplace la virgule à droite de 3, donc ça fait 56. 0,091 divisé par 100. Il faut faire reculer de 2. Donc si je recule de 1, ça fait 0, 0. Donc de 2, 0, 0, 0. Donc ça doit être celui-là. Là, je multiplie par 0,01. C'est comme si je divise par 100. Si je divise par 100, je fais reculer de 2. Donc, 1, ça fait 0, 0. 2, ça fait 3, 0. Donc ici. Maintenant, il faut diviser par 0,001. C'est multiplié par 1000. Donc, je pousse de 3. Donc, ça fait 910. Bon. Divisé par 50. Faut diviser par 100 et comme on a divisé deux fois trop, faut multiplier par 2. Allez, au pif. Je sais pas. 42 fois 0,2. C'est comme si je fais fois 0,2. C'est 2 fois 0,1, et si je fais 0 fois 0,1, c'est comme si je divise par 10 que je recule. Donc, je recule d'1, et ça fait 8,4. Là encore, il faut multiplier par à part 25. Alors ça, là, par 25, c'est si je fais fois 100, ça me fait 5300, et j'en ai 4 fois trop.
Donc 5300, j'en ai 4 fois trop. Donc de toute façon, des chiffres avec des 1000, il n'y en a qu'un. Donc ça doit être celui-là. Bon, là, il faut fois 101. Donc ça va faire qu'on déplace la virgule de 2. Donc ça fera 4320, un peu plus que 4320. Bon, j'ai le choix entre ces deux-là. Bon, allez, au pif. C'est celui qui est le plus près. Après, fois 99, donc on déplace la virgule de 2 si on multiplie par 100. Donc ça fait 5540. Mais il y en a trop. 5540. Il y en a trop parce que en fait, on multiplie par 99. Donc 5540 moins 55,4. 4500. Donc c'est 4400 et quelques. Bon, on va dire ça. Enfin, donc 101,7 plus 102 plus 41,9, etc. Waouh. Donc ça fait 200. Plus à peu près 100 encore. Parce que 41,9 et 57, ça fait 100 à peu près. Donc ça fait 300 environ. Sauf que tout est de l'ordre de 300. Bon, alors voyons voir. Les décimales 7 et 3, 10. 9 et 1, 10. Donc à la fin, il y a un 0. Donc il y en a. Qu'un où il y a un 0, c'est celui-là, donc ça doit être celui-là. Bon, je valide le test. J'ai 8 réponses sur 10, 8 bonnes réponses sur 10. La première, c'est quand j'avais dit je sais pas. Et la deuxième, c'est quand j'ai dit 2325. Et il fallait dire 1325. D'accord. Voici la réponse au premier test de calcul mental. Y, CM égale 1, 1, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon alors, maintenant on va répondre au questionnaire d'estime de soi. Alors, je pense que je suis une personne de valeur au moins égale à n'importe qui d'autre. Bah, tout à fait d'accord. Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités. Bon, on va dire tout à fait d'accord. Donc 4 deux fois. Tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté. Bon, on va mettre plutôt en désaccord 2. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens. Ben, ça dépend quoi. Et puis la majorité des gens, c'est qui? J'en sais rien, moi. Il y a des choses que je fais aussi bien que certaines personnes. Bon, je vais mettre tout à fait en désaccord parce que la question me convient pas. Je sens peu de raisons d'être fier de moi. Je sens peu de raisons d'être fier de moi. Ouais, je les sens pas trop là, donc je vais mettre d'accord 3. J'ai une attitude positive vis-à-vis de moi-même, ben ça va dépendre des fois. On va dire qu'aujourd'hui, ouais, allez, donc on va mettre 3. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi. Non, donc tout à fait en désaccord, hein.
J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même. Bah ouais, par exemple, je pourrais arrêter de fumer. Donc, 4. Parfois, je me sens vraiment inutile. Oui. 4. Parfois, ça dépend quoi. Ça dépend encore, mais bon. Il m'arrive de penser que je suis un bon à rien. Non. Plutôt en désaccord, 2. Faisons notre relevé d'observation. Ici, deux remarques s'imposent. Premièrement, j'ai commis une erreur de saisie lorsque j'ai répondu à l'item numéro 4. Deuxièmement, si on veut se simplifier la tâche pour l'analyse des données, il est utile de recoder les réponses aux items dits négatifs, qui sont les items 3, 5, 8, 9 et 10. Alors, la règle de recodage est que un 1 devient un 4 étoiles, qu'un 2 devient un 3 étoiles, qu'un 3 devient un 2 étoiles, et qu'un 4 devient un 1 étoile. Donc, on obtient le 10 supplé. Y. Alors, on va le mettre un peu plus loin. Y. ES égale 4, 4, 3 étoiles, 1, 2 étoiles, 3, 1, 1 étoile, 1 étoile, 3 étoiles. Une semaine plus tard, j'ai à nouveau passé les deux tests. Par hypothèse, lors du second test de calcul mental, je possédais une quantité Q' CM. Que je vais écrire ici. Deux capacités de calcul mental, et on ignore si les deux quantités sont égales ou différentes. Ce qu'on attend, c'est que les deux réponses à ce test seront comparables. Voyons les résultats. Donc, commencer le test de calcul mental. Bon, alors 0,056 fois 1000, 5,6. 0,091 divisé par 100. C'est celui-là. 0,08 fois 0,1. Faut diviser par 1000. Ok. Donc c'est ça. Diviser. Alors 0,91 divisé par. Donc c'est je multiplie par 1000. Donc c'est ça. Ah oui. Donc 0,19 divisé par 50. Ça ferait. Si je divise par 100, je pousse, je recule la virgule de 2. Donc ça fait 0,00. De toute façon, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. 42 fois 0,2. C'est 8,4. Cinquante-trois fois 25, 1325, parce que je me rappelle que la dernière fois je m'étais trompé en fait. Quarante-trois virgule 2 fois 101. Ça fait dans les 4320, 4320 mais un peu plus. 4320 mais un peu plus. Donc c'est celui-là.
après 55,4 fois 99. Si je multiplie par 100, donc ça fait 5540. Bon, ça va être un... J'essaye celui-là. Et là, ben, je me rappelle que c'était celui-là. Je valide le test. On obtient y prime cm égale 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on observe que YCM et Y'CM sont incomparables, car au niveau du premier item, on observe une diminution de la réponse, on passe de 1 à 0, tandis que pour l'item 1, 2, 3, 4, 5, on observe une variation en sens inverse, c'est-à-dire une augmentation de la réponse de 0 à 1. Donc Y et Y' sont incomparables. L'hypothèse selon laquelle mes réponses au test de calcul mental mesurent une quantité de capacité de calcul mental qui a pu varier du test au retest est donc falsifiée. Voyons maintenant ce qu'il en est pour le test d'estime de soi. Par hypothèse, lors du second test d'estime de soi, je possédais une quantité Q'. Donc là, on avait Q, ES, Q' d'estime de soi. Et on ignore si les deux quantités sont égales ou différentes. Ce qu'on attend, c'est que les deux réponses à ce test seront comparables. Voyons les résultats. Alors, je pense que je suis une personne de valeur au moins égale à n'importe qui d'autre. Bah ouais, je suis une personne de valeur, moi. Donc je vais mettre 3. Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités. 3. Tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté. Non. 1. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens. La question. La majorité des gens et les choses. J'en sais rien du tout, là. Donc, bon, je vais mettre 2. Je sens peu de raisons d'être fier de moi. Peu de raisons d'être fier de moi. Je me sens pas fier de moi. Donc, si je me sens pas fier de moi, c'est que je sens peu de raisons d'être fier de moi, donc je suis tout à fait d'accord. J'ai une attitude positive vis-à-vis de moi-même, bah, ça dépend des fois. Donc là, il faudrait mettre 2,5. Mais bon, là, maintenant, est-ce que j'ai une attitude positive vis-à-vis de moi-même? Oui, 4. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi. Dans l'ensemble. Ça dépend sur quoi. Donc là, bonjour la question, quoi. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi. Dans l'ensemble. Je mets 1 parce que on peut pas faire dans l'ensemble. Enfin, je sais pas le faire. J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même. Ben...
Tout va bien, tant que je vais mettre 2, non. Pas besoin d'avoir plus de respect pour moi-même, là, je trouve. Parfois, je me sens vraiment inutile. Oui, ça arrive. 4. Et il m'arrive de penser que je suis un bon à rien. Non. 1. On obtient Y prime ES égale 3. 3. 4 étoiles. 2. 1 étoile. 4, 1, 3 étoiles, 1 étoile, 4 étoiles. On observe que YES et Y'ES sont incomparables, car d'une part, l'item 1 indique une diminution de la réponse, on passe de 4 à 3. Et d'autre part, l'item 3 indique une augmentation de la réponse, on passe de 3 étoiles à 4 étoiles. L'hypothèse selon laquelle mes réponses au test d'estime de soi mesurent une quantité d'estime de soi qui a pu varier du test au retest est donc falsifiée. Alors, conclusion, on a testé l'hypothèse que mes réponses au test de calcul mental sont des mesures et on a falsifié cette hypothèse. Deuxièmement, on a testé l'hypothèse que mes réponses au test d'estime de soi sont des mesures et on a falsifié cette hypothèse. Autrement dit, on ne peut pas affirmer sur la base des connaissances que nous possédons maintenant que le test de calcul mental qu'on a utilisé permet à tous les coups de mesurer ma capacité de calcul mental conçue comme quantité. On ne peut pas affirmer sur la base des connaissances que nous possédons maintenant que l'échelle d'estime de soi de Rosenberg permet à tous les coups de mesurer ma quantité d'estime de soi. Pour terminer cette vidéo, discutons les résultats. Il y a deux points principaux à discuter. Premièrement, qu'a-t-on falsifié? On a falsifié une conjonction d'hypothèses qu'on a formalisée par H2 et H3. Rappelons-nous qu'on avait H1 selon laquelle le segment 0 max existe, qui est nécessaire pour l'hypothèse H2, qui dit qu'il existe une fonction croissante de mesurage pour tout item i. Et on avait l'hypothèse H3 qui disait, durant l'intervalle de temps nécessaire à la passation de tous les items du test, la quantité de la grandeur est invariante. On a donc, si on a foi dans nos observations, que H2 et H3 est une proposition fausse, ce qui signifie non H2 et H3 ou H2 et non H3 ou non H2 et non H3. Rappelons-nous que dans notre test, H3 joue le rôle d'hypothèse auxiliaire, c'est-à-dire que cette hypothèse est nécessaire pour tester H2. Si on admet que H3 est fausse, alors la théorie selon laquelle mes réponses sont des mesures n'est pas testable parce que les quantités de la grandeur qu'elles mesurent varient au fur et à mesure que je réponds aux items. On peut toujours décider de croire ce qu'on veut, mais ce changement d'attitude est essentiellement défensif. Si on maintient que H3 est vrai, alors H2 est fausse. En d'autres termes, il existe au moins un item pour lequel mes réponses ne résultent pas d'un processus de mesurage. Il n'est pas nécessaire de mettre en cause l'hypothèse de l'existence des grandeurs, capacités de calcul mental et estime de soi. Il suffit de reconnaître que si elles existent, on ne sait pas les mesurer chez moi en utilisant mes réponses. Deuxièmement, un peu de bon sens ne peut pas nuire. Comme je l'ai souligné dans la seconde vidéo, les réponses qu'on observe avec des items de test psychotechniques sont des phénomènes psychologiques, c'est-à-dire qui engagent l'intentionnalité des personnes testées. Même si je ne sais pas définir précisément ce qu'est l'intentionnalité, il ne me semble pas du tout problématique de reconnaître que le processus qui permet qu'un instrument de mesure soit utilisé pour faire des mesures n'est pas intentionnel.
Il y a une contradiction fondamentale entre, d'un côté, espérer que les réponses humaines à des items de tests psychotechniques soient des mesures, c'est-à-dire dépendent fonctionnellement de variations quantitatives, et de l'autre côté, reconnaître que ces réponses résultent de ce qu'on appelle des processus psychologiques, sauf à considérer que nous ne sommes, quoi que nous pensions, que des automates. Je n'ai pas le temps de revenir sur l'enregistrement de mes réponses et je vous laisse le soin, si vous en avez la curiosité, de remarquer que ma motivation à produire des bonnes réponses aux items de calcul mental n'est pas toujours à son maximum. Il suffit de remarquer que j'ai commis des erreurs d'étourderie, c'est-à-dire que je n'ai pas pris la peine de vérifier mes réponses avant de cliquer. Concernant les items d'estime de soi, il suffit de remarquer que certaines formulations posent des problèmes d'interprétation et que mes interprétations ont pu changer entre le test et le retest. Toujours dans la perspective de cette contradiction entre le caractère intentionnel des réponses et le caractère inintentionnel des réponses qu'on obtient d'un instrument de mesure, je terminerai cette vidéo en citant le psychologue mathématicien qui était Duncan Lewis. Je traduis: la connaissance d'une théorie psychologique explicite falsifiable ne devrait pas fournir à celui qui la connaît, sans pour autant disposer d'assistance, les moyens de la falsifier à volonté dans tout contexte empirique. En d'autres termes, les théories psychologiques ne devraient pouvoir devenir des prophéties non réalisées, pas davantage qu'elles ne devraient être des prophéties réalisées. En pratique, cela signifie que le scientifique devrait pouvoir compter sur le fait qu'il existe un champ empirique, expérimental ou d'observation, tel que la théorie puisse être testée sur des personnes qui peuvent connaître cette théorie. J'appelle cela le critère de non-oxymore. Si on suit Lewis, la compréhension scientifique des réponses aux items des tests psychotechniques suppose qu'on puisse exclure que les réponses dépendent de l'exercice du libre arbitre des personnes lorsqu'elles répondent à ces items, ce qui constitue en soi un problème préliminaire à mes yeux largement sous-évalué. Dans la vidéo suivante, on verra que la réponse psychométrique à ces difficultés consiste purement et simplement à les cacher en utilisant, si je peux me permettre une expression polémique, le cache-sexe des probabilités.